Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontres et de la psychologie féminine. Bonjour les séducteurs, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur. Installez-vous bien confortablement, on va en changer ensemble pendant une vingtaine de minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, fondateur de DragueurDeParis.com, expert en séduction et photographe de portraits masculins. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui intéressera quasiment 100% de mon audimat et j'en mets ma main à couper, car c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. En effet, durant ma période de célibat, j'étais habitué à disposer de plusieurs plans cul à la fois. Alors, c'est pas forcément très difficile d'en trouver, par contre, il est beaucoup plus compliqué de les garder. Et dans cet épisode, qui sera dédié aux plans cul, vous allez apprendre comment faire pour trouver plusieurs plans cul et comment garder plusieurs plans cul en même temps. Il y a beaucoup de choses à dire, alors attachez vos ceintures, on va essayer d'être concis. Avant de commencer, je voudrais adresser quelques remerciements aux personnes qui m'ont donné leur avis sur le podcast. Je remercie TheSnake74 qui dit, je cite, « un podcast de qualité sur la séduction comme on en voit rarement de nos jours. Hâte de voir les suivants. » Je te remercie beaucoup TheSnake74 car c'est le genre d'avis qui me fait très plaisir. Je remercie également Florado1983 qui cite « super podcast, les échanges sont bien menés et on en apprend beaucoup au fur et à mesure des minutes. Je recommande sans hésiter. » Enfin, un dernier remerciement à Fatalis21, un podcast qui parle vrai, qui dit les choses avec des anecdotes autour d'un fond de qualité. Merci. Cette page de remerciements se referme et avant de démarrer, je voudrais vous annoncer le prochain sujet de podcast de ma chaîne Premium qui sera développé avec vous. Ici, nous allons discuter plan cul sur la chaîne gratuite. La chaîne Premium est constituée de mes meilleurs podcasts, des techniques les plus secrètes et les plus personnelles. Et dans le prochain sujet que je discuterai avec vous, dans la continuité de celui-ci, donc sur les plans cul, on va évoquer comment sortir avec deux femmes en même temps, dans le cadre d'une relation longue, et sachant que ces deux femmes étaient au courant de l'existence de l'une de l'autre. Et vous apprendrez comment j'ai fait pour sortir plusieurs mois avec ces deux femmes, et choisir tranquillement celle avec qui je voulais rester. Ce sujet, vous le retrouverez sur la chaîne Premium. J'espère que vous y retrouvez nombreux. Et sans plus de transition, nous allons passer maintenant à l'émission sur les plans cul. Pour commencer ce podcast ensemble, je vous propose de le diviser en deux parties. La première partie sera consacrée à la rencontre du plan cul, c'est-à-dire comment rencontrer un plan cul. Et la deuxième partie sera consacrée à comment garder un plan cul. Puisque ça peut sembler idiot, puisque la plupart des questions que je reçois concerne la première catégorie, c'est-à-dire comment rencontrer un plan cul, mais la deuxième catégorie est souvent oubliée, comment garder un plan cul. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est tout aussi difficile. Tout comme les hommes cherchent prioritairement comment avoir une relation, comment avoir une copine, et pourtant, la question qu'il faut poser, c'est comment garder sa copine, puisque garder sa copine, c'est plus difficile que de la rencontrer, et c'est exactement pareil pour les plans cul. Nous allons développer ça ensemble. Nous allons commencer par la première partie, comment rencontrer un plan cul. Ça va paraître extrêmement idiot ce que je vais vous dire, mais pour commencer à rencontrer un plan cul, il faut déjà que vous sortiez de chez vous. Ça peut paraître très simple, mais pourtant, regardez. La plupart des gens qui me demandent comment trouver un plan cul sont en fait des gens qui sortent très peu et qui ont très peu d'opportunités, c'est-à-dire qu'ils sortent rarement en bar ou en boîte de nuit, ils ne sortent jamais dragués et au niveau des signes de rencontre, ils ne sont pas forcément plus actifs que ça. Et du coup, le réflexe de ces personnes-là, ça va être de se dire bah, comment rencontrer un plan cul. Sauf que le problème numéro 1 de ces personnes-là, c'est qu'elles ne se donnent pas l'opportunité de rencontrer des plans cul. Et du coup, comme elles ne se donnent pas les moyens de cette opportunité, ça ne fonctionne pas. Donc à ces personnes-là, si vous vous identifiez à cette description, je vais vous répondre très simplement. Commencez déjà par sortir de chez vous et par vous donner l'occasion de rencontrer d'autres femmes qui seraient intéressées pour être un plan cul. Ça, ce serait mon premier conseil. Ensuite, mon deuxième conseil au niveau de la rencontre, retenez bien, c'est ceci. Un plan cul ne se décide pas à l'avance. Un plan cul, c'est une conséquence, c'est un résultat.
Et très souvent, l'erreur que font les gens, c'est de se dire, de partir bille en tête, je vais chercher un plan cul, je veux un plan cul. C'est exactement la même erreur que de se dire, je vais chercher une copine, je veux une copine. Le problème, c'est que en ayant cet état d'esprit, en vous disant, je veux ci, je veux ça avec une nana, vous allez vous mettre une forme de pression. Et si vous mettez cette forme de pression, ça va tout simplement se sentir de votre interaction, ce qui veut dire que la fille va le sentir. Et si la fille le sent, et ben en fait, vous allez tuer l'attraction. Et quel que soit votre objectif, que ce soit de trouver un plan cul ou une copine, si vous mettez la pression à la nana indirectement, je dis pas directement, mais ça se fait indirectement par les ondes que vous émettez, par l'énergie que vous émettez, et ben elle va le sentir et tout simplement vous allez la faire fuir, vous allez lui couper l'envie de devenir ce que vous voulez qu'elle soit. Donc ce que je recommande quand vous cherchez un plan cul, c'est de ne pas chercher de plan cul. Ça peut paraître paradoxal. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne le mieux, puisque c'est exactement le même conseil que je donne à des gens qui veulent trouver une copine. À ces gens-là, je leur dis, ne cherchez pas une copine. Et là, vous allez me répondre, mais qu'est-ce que je leur dis du coup? Qu'est-ce que je dis à ces gens-là? Eh bien, au lieu de leur dire, je cherche une copine, je cherche un plan cul, je leur demande de se dire, je vais chercher des opportunités, je vais chercher du contact, je vais chercher à faire des rencontres. Et ça, c'est un état d'énergie qui fonctionne. Parce que en mettant l'énergie sur ce questionnement, au lieu de vous mettre la pression sur le résultat, vous allez vous mettre des coups de pied au cul sur le fait de passer à l'action. Et ce simple passage à l'action va vous créer des opportunités, et c'est de là que la magie va s'opérer, puisque c'est de là que vont intervenir les plans cul, tout simplement. Donc au lieu de vous mettre la pression sur l'objectif qui est de trouver un plan cul, mettez-vous la pression sur le fait de vous bouger le cul pour vous créer des opportunités. Et comme vous ne penserez pas à chercher à trouver à tout prix un plan cul, et ben les autres filles vont sentir votre légèreté d'esprit, elles vont sentir que vous mettez moins la pression. Et c'est là que la magie opère, parce que du coup, elles seront plus attirées, puisqu'elles vont sentir que vous ne leur mettez pas la pression, contrairement à la plupart des mecs qui sont en mode lourdingue en train de leur draguer, et du coup, elles ont plus envie. Déjà, si vous appliquez ce principe, plus ce premier énoncé précédemment, vous aurez déjà fait un grand pas. Ensuite, le troisième conseil que je donnerai, il est tout aussi simple, et si vous écoutez les femmes, pourquoi elles détestent le terme plan cul? Parce que très souvent, il y a deux choses. Le premier, c'est que le terme plan cul désigne le terme d'objet sexuel et aucune femme ne désire être un objet sexuel. Les femmes veulent être considérées comme des femmes, même si vous n'êtes pas mariés ou copains ensemble, elles veulent être considérées comme des femmes. Et si vous leur dites explicitement le terme plan cul, eh ben, elles vont pas apprécier parce qu'elles vont se sentir traitées comme un objet. Ce que je recommande, c'est de ne pas dire le terme plan cul, mais de dire le terme relation libre. Pourquoi relation libre? Parce que c'est un terme où il y a le mot liberté. Et le mot liberté est largement moins péjoratif que le terme plan cul qui est synonyme de contrainte, de pression et de mauvaise image. Et donc en mettant l'accent sur le terme liberté, vous allez faire comprendre à la nana qu'en fait vous êtes dans une relation où elle n'a pas d'engagement, où elle n'a pas signé avec vous et du coup où elle est libre de courir auprès d'autres mecs si elle le désire. Et si vous vous concentrez sur ça, c'est-à-dire en lui faisant comprendre que vous ne lui mettez pas la pression, qu'elle peut aller voir d'autres mecs si elle a envie, et ben en fait, paradoxalement, elle va être plus attachée à vous, elle va vouloir encore plus vous garder en tant que plan cul, si c'est vous qui déterminez le cadre de la relation. Donc pas plan cul, puisque bon, je vous ai dit, c'est pas le bon terme, mais le terme relation libre et sans contrainte. Vous pourrez rajouter le sans contrainte, et vous mettez l'accent vis-à-vis d'elle en lui faisant miroiter une relation qui est sans contrainte. Et ce sera 100 fois plus attirant de faire l'erreur des mecs qui disent le mot plan cul. Ensuite, le deuxième point que je recommande, c'est quand vous faites votre rencontre. Vous faites votre rencontre normalement. Et ce que je vous recommande, c'est de ne faire aucune promesse avant d'avoir couché avec elle. Même si vous vous entendez bien, même si vous avez un début de naissance de sentiment, quelle qu'en soit la raison, et même si vous sentez que ça va être juste être un plan cul, ne dites rien. Ne faites pas l'erreur que font les mecs qui est au premier date de dire « Ouais, toi, je sens qu'on va avoir envie de finir ensemble » ou alors « Ouais, toi, je pense que je serai uniquement attiré pour du sexe ». Ne faites pas l'erreur de dire vos intentions dès le départ. Il faut que vous soyez flou, il faut pas que vous disiez ce que vous pensiez, il faut que vous gardiez du suspense. Pourquoi ?
Les femmes qui écoutent ce podcast vont se dire que ne pas dire ce qu'on pense revient à mentir. Je ne serais pas d'accord avec ça, parce que ne pas dire ce qu'on pense, c'est exactement ce qu'elles font déjà, puisque chaque personne émet un jugement d'une autre personne au moment d'une rencontre, et c'est pas parce que cette personne ne dit pas son jugement qu'elle est en train de mentir. Donc, ne pas dire vos intentions, ce n'est pas mentir, c'est juste ne pas dire ses intentions. Il ne faut pas confondre l'honnêteté et la sincérité. La sincérité, ça consiste à penser ce que l'on dit. Et l'honnêteté, ça consiste à tout dire, tout sans exception. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez lui dire, vous allez être honnête. Ok, mais qu'est-ce que ça va vous reporter derrière? Ça vous a rapporté des embrouilles. Donc, ne soyez pas honnête, mais soyez sincère. C'est-à-dire que vous allez dire ce que vous pensez, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous pensez, pardon. Donc, si elle vous demande comment vous projeter, c'est-à-dire qu'est-ce que tu cherches, typiquement, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Et ben, au lieu de répondre de brut en blanc, une réponse forcée alors qu'il n'y a rien de définitif, dites-lui tout simplement, bah écoute, là c'est la première ou la deuxième fois qu'on se voit, donc je sais pas encore trop te dire, ça, il faut que je te connaisse mieux, il faut que je vois au fil du temps, il faut que je vois aussi comment ça se passe au lit, puisque la conception d'une relation dépend de comment ça se passe au lit, et une fois que j'aurai tous ces éléments à la disposition, je pourrai te dire comment je me projette pour nous deux. Et je vous assure que si vous lui faites une réponse comme ça, elle ne pourra rien vous reprocher. Qui peut reprocher à quelqu'un de lui dire « Bah écoute, on se connaît pas assez, on s'est pas encore fréquenté, on n'a pas baisé ensemble, et il faut que j'ai tous ces éléments à disposition pour savoir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. » Qui peut reprocher cette sincérité? Personne, parce que c'est une réponse qui n'appelle aucune critique, tout simplement. Donc, si vous lui dites sincèrement les choses par rapport à ça, ce qui est la stricte vérité, ça passera tout à fait. Il ne m'est jamais arrivé qu'une femme m'embrouille parce que je lui ai dit que je ne la connaissais pas suffisamment pour lui dire si je me voyais en couple ou si je me voyais en plan cul ou rien du tout avec elle. Aucune femme ne m'en a jamais voulu. Donc ce que je recommande de faire, c'est d'appliquer cette stratégie si jamais elle vous pose la question, et ensuite de faire vos rencarts normalement. Ne vous formalisez pas dès le départ en disant « je veux trouver un plan cul, il me faut un plan cul, blablabla ». Ne vous dites pas ça dès le départ, parce que si vous faites ça, vous allez vous parasiter la relation, parce que vous allez vous fixer une pression. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la pression c'est mauvais puisque c'est tueur d'attraction. Si vous faites ça, si vous appliquez ce principe plus les deux précédemment exposés, il va arriver un moment où vous allez coucher avec la fille. Ce qui nous amène à la deuxième partie du podcast, qui est de comment garder un plan cul que vous avez fraîchement débusqué. Alors pour garder un plan cul, il y a une première règle qu'il faut absolument connaître. Dans l'histoire, vous êtes le mec. Le mec, c'est celui qui pose le cadre de leur relation. Et si vous ne le faites pas, c'est la fille qui le fera. Et en général, c'est dans un sens contraire à ce que vous souhaitez. Donc, ce que je vous recommande pour garder un plan cul, c'est vous qui drivez la relation. C'est vous qui dites la relation, ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça. Donc, une fois que vous avez couché avec la nana, en général, à part pour les personnes peu expérimentées, en général, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Alors, c'est pas péjoratif, je dis, sauf pour les personnes expérimentées, puisque en général, quand on a peu d'expérience, on a tendance à tomber amoureux très facilement et à s'attacher à la première personne avec qui on couche. Et donc, on n'est pas forcément objectif. Donc, du coup, ce que je recommande à ces gens-là, par défaut, c'est de prendre du recul et de ne pas considérer comme une relation acquise chaque nana avec qui vous couchez. Ensuite, pour tout le monde, une fois que vous avez couché avec la nana, normalement, vous êtes capable de vous faire une opinion. Vous êtes capable de dire, tiens, cette nana a quelque chose de plus. Je sens que ça pourrait être une potentielle copine. On va creuser ça. Ou alors, vous allez vous dire, non, cette nana-là, elle est bien, elle est sexy, elle est bonne, on a bien baisé. Mais il manque un truc, il manque le petit truc qui fait que je vais me poser avec elle, et ça, elle ne l'a pas. Et je préférais qu'on reste à un plan cul. Sauf que souvent, qu'est-ce qui se passe? Les mecs ont peur d'avouer cette réalité, c'est-à-dire que la majorité du temps, quand vous allez coucher avec une femme, ce ne sera pas une potentielle copine, majoritairement, ce sera une candidate à plan cul, et pas plus, parce qu'elle n'aura pas ce petit truc qui fera que vous mettrez en couple avec elle et que vous serez exclusif. Donc à partir de là, vous devez faire preuve de sincérité. Vous devez poser les bases de la relation et vous devez le faire une fois que vous avez couché avec elle. Et aucune fille ne pourra vous reprocher cette sincérité.
Donc dites-lui franchement votre ressenti, c'est-à-dire si vous avez envie que de la revoir pour des questions de sexe, de passer la nuit ensemble, de regarder des films de temps en temps, mais que vous n'avez pas envie de la présenter à vos copains, que vous n'avez pas envie d'aller plus loin, de la présenter à sa famille, etc., vous pouvez le lui dire. Si elle ressent la même chose, elle l'acceptera et il n'y aura aucun problème avec ça. Mais très souvent, les hommes ont peur de poser leurs couilles et de dire ce qu'ils pensent vraiment à une femme parce qu'ils ont peur que la femme les juge négativement. Mais les nanas ne vont pas vous juger négativement pour ça. Ce que les nanas n'aiment pas, c'est le mensonge, c'est le fait de mentir sur ses intentions. Et comme souvent, les hommes ont peur de dire la vérité, et ben ils vont faire miroiter une relation parce qu'ils se disent je vais vendre du rêve sur une pseudo-relation parce que toutes les filles veulent des relations, donc je prends pas de risque. Sauf que très souvent, les mecs qui font ça, ils couchent avec la nana et ensuite ils disparaissent. Et comme ils assument pas, bien sûr, ils effacent le numéro, ils la bloquent, ce qui leur évite de leur répondre. Sauf que derrière, la nana, ben, elle va s'énerver, elle va commencer à avoir la haine des mecs et ça va impacter tout le monde. Donc en fait, dans un monde idéal, si on voudrait que la drague soit plus simple, ce que je recommanderais à tous les mecs qui écoutent ce podcast, c'est d'être sincère dans vos intentions. Donc dites vraiment ce que vous pensez une fois que vous avez couché avec elle, vous le dites avec la sincérité la plus totale, avec un ton neutre, assumé, vous assumez ce que vous dites, vous le dites jusqu'au bout, et ça se passera très bien. Typiquement, ce que j'aimais bien dire avec une nana qui était dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire qu'on baisait, des fois on baisait une deuxième fois si j'avais la forme, et il arrive un moment où on parle avenir, et ça arrive toujours dans la première nuit, et si ça arrive pas dans la première, c'est la deuxième nuit, et très souvent c'est la fille qui va poser la première en question, et même si elle ne le faisait pas, c'est moi qui aurais pris l'initiative d'en parler. Et là, qu'est-ce que je faisais? Je lui disais tout simplement, bah écoute, c'était vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé, ça passe super bien le cul avec toi et tout, mais je me vois pas me poser avec toi, je sens que tu as pas le truc qui me rend amoureux, et en ce moment, les relations, c'est pas forcément ce que je veux, donc je suis ok pour se revoir, mais je préfère te le dire dès le départ, je préfère être sincère avec toi, ne pas te mentir, j'ai pas envie de te raconter des bobards. Donc j'aime bien passer du temps avec toi, t'es vraiment quelqu'un de cool, mais voilà, je veux juste te faire comprendre que entre nous, ça n'ira jamais dans une relation sérieuse, parce que je recherche pas ça, c'est pas de ça dont j'ai envie, et je pense que t'es pas la bonne qui correspond à ça, donc te froisse pas, je dis sincèrement, dis-moi si tu penses la même chose que moi, et si on est sur la même longueur d'onde, bah c'est cool, du coup ce sera plus simple, et il n'y a pas de souci pour se revoir, parce que moi je suis vraiment bien avec toi. Ça se passe super bien, mais voilà, je tenais à être sincère, je suis pas quelqu'un qui a envie de mentir. C'est grosso modo le discours que je tenais avec elle, et je peux vous assurer que ça fonctionnait, allez, dans 80% des cas. 80% des cas, ça passait, et la nana, je la revoyais. Donc ça, c'est la première étape. Alors, les 20% avec qui ça passait pas, c'est très simple, c'est des nanas qui acceptaient pas le fait d'être, d'être une sex friend, quoi, un plan cul. Dans leur interprétation, en tout cas. Je parlais pas de plan cul, je parlais de relations libres et compagnie, mais elle n'acceptait pas ce statut. Maintenant, on va parler des 80% qui restaient. Donc, dans ces nanas-là, il va y avoir une toute petite partie des nanas que vous allez garder pendant très longtemps, c'est-à-dire 6 mois, 1 an et demi. Et la majeure partie des cas, je suis désolé de vous décevoir, mais la majeure partie des cas, vous n'allez pas les garder très longtemps. Pourquoi? Parce que les femmes ont beaucoup de mal à rester au stade plan cul pendant plus de quelques mois. Typiquement plus de 3 mois, 4 mois. Si vous avez un plan cul pendant plus de 3 mois, vous êtes déjà dans un cas très rare parce que la grande majorité des plans cul ne vont pas au-delà de 3 mois. Tout simplement parce que dans une relation de plan cul, vous faites pas que baiser. Il y a des moments où vous allez parler, vous allez échanger, vous allez discuter, raconter votre vie, vos problèmes, vous allez regarder des films, etc. Vous allez faire des câlins. Et il y a toujours un moment où l'un des deux va s'attacher. Et ça, ça arrive très souvent. Je dis pas que ça arrive dans 100% des cas, mais ça arrive assez souvent. Et malheureusement, le plus souvent, c'est la fille qui s'attache. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et c'est quand je questionnais des filles, elles me l'avouaient elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont souvent tendance à s'attacher à leur plan cul. Et il y a un moment où ça devient invivable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le mec, il sent trop de pression. Il sent que la nana est trop investie sur lui. Et la fille essaie de faire passer la relation à un statut de vraie relation, de relation de couple, et non pas de statut de plan cul. Et il y a un moment où on atteint un point de rupture. Et à partir de là, soit le mec change d'avis et décide de se mettre en couple avec la nana, soit la relation reste là parce que c'est la fille qui n'accepte pas de continuer. Et ça arrive très souvent. Donc désolé pour ceux qui idolâtraient la relation de plan cul, le fait d'avoir plusieurs plans cul en même temps. La réalité, c'est que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il est compliqué de garder plus que quelques mois plusieurs plans cul en même temps.
Maintenant, la bonne nouvelle, puisqu'on va quand même continuer sur du positif, c'est que pendant quelques mois, vous pouvez vous amuser à faire des rotations de plan cul. Ce que je recommande, c'est une fois que vous avez un plan cul, ne faites pas la même erreur que certains mecs qui se disent « Maintenant que j'ai un plan cul, je vais pouvoir me vider les couilles deux fois, trois fois par semaine et c'est cool. » Parce que si vous faites ça, vous allez transformer votre plan cul en une relation de dépendance. Parce qu'en la voyant trop souvent, en ayant trop de sexe avec elle, et ben vous allez consommer votre énergie sexuelle. Votre énergie sexuelle, autrefois, vous la reportiez sur la drague, sur la conquête de nouvelles filles. Et si vous reportez cette énergie sexuelle sur elle, sur votre plan cul, et ben vous n'en disposerez plus de cette énergie sexuelle. Et si vous n'en disposez plus, et ben vous aurez moins envie de draguer, tout simplement. Est-ce que vous n'avez jamais eu dans votre entourage quelqu'un qui sortait souvent draguer et puis qui en boîte a chopé une nana, il a fini avec, il a couché avec, etc. Et une semaine après, il vous dit « Ouais, c'est devenu un plan cul ». Et à partir de là, est-ce que vous n'avez pas remarqué que ce pote-là sortait beaucoup moins souvent qu'avant ? C'est-à-dire, avant, vous sortiez le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, vous faisiez la triplette du week-end, vous faisiez trois sorties d'affilée avec l'alcool, etc. Et là, soudainement, vous passez un cadre « Ouais, je vais juste sortir le samedi soir, j'ai pas trop le temps de sortir plus ». Est-ce que vous n'avez pas déjà eu un ami qui était dans ce cas de figure ? Parce que je pourrais vous assurer que j'en ai eu beaucoup. Et pas que des gens qui sont en couple, hein, ça arrive avec les gens qui sont plan cul, comme je viens de vous l'expliquer. Et en fait, c'est cette déperdition d'énergie sexuelle qui fait que ces gens sortent moins. Et du coup, si vous voulez avoir plusieurs plan cul en même temps, la stratégie, c'est de limiter votre contact avec votre plan cul. Vous devez l'avoir une à deux fois maximum par semaine, pas plus. Parce que si vous avez plus, vous allez disperser votre énergie sexuelle et vous aurez plus envie de draguer d'autres nanas. Donc limitez la fréquence de rencontres où vous baisez ensemble. Et une fois que vous faites ça, normalement vous allez préserver votre énergie sexuelle. Et quand vous préservez votre énergie sexuelle, et ben vous réappliquez tout simplement le premier principe qu'on a vu en début de ce podcast. C'est-à-dire vous continuez à sortir tout simplement. Donc en fait, si on raisonne en pure algorithmie, donc là je vais ressortir mes cours d'ingénieur de quand j'avais 20 ans, si on raisonne en pure algorithmie, c'est une boucle infinie en fait. C'est-à-dire que si je récapitule, donc vous sortez sans sortir en vous partant bien en tête, je veux un plan cul, vous sortez, vous créez des opportunités sans rien attendre, et dans ces opportunités, vous avez rencontré une nana avec qui ça va se passer. Il y a des nanas avec qui vous avez couché, et dans ce lot de nanas, il y a la majorité que vous pourrez fidéliser en plan cul si vous les avez bien baisés, ça on en parlera tout à l'heure. Et si vous avez bien baisé, et ben tout simplement, vous allez pouvoir les garder en plan cul. Et une fois que vous en avez fidélisé une en plan cul, et ben vous répétez le même processus, vous continuez de sortir, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un plan cul, en général, ça dure quelques mois. Donc du coup, cette rotation, si vous continuez à sortir et à draguer de nouvelles nanas, vous allez créer une rotation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand une autre nana ne voudra plus être votre plan cul, comme vous continuez de sortir et que vous avez pris cette habitude, vous pourrez la remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que si vous faites l'erreur de la plupart des mecs, c'est-à-dire de vous concentrer, de vous vider les couilles, entre guillemets, je m'excuse auprès des nains qui écoutent le podcast, mais si vous videz les couilles plus de 3 fois par semaine avec votre plan cul, et ben le jour où elle ne voudra plus être votre plan cul, où elle va demander une relation de couple et vous ne voudrez pas, et ben vous retrouverez l'habit à l'air et il n'y aura personne pour vous sauver. Il faudra reprendre le processus de zéro. Donc en fait, vous perdez moins de temps à, dès le départ, prendre cette habitude de la boucle. Donc, vous sortez, vous rencontrez un plan cul, vous rencontrez d'autres nanas, vous baisez avec, elle devient un peu votre plan cul, vous mettez pas la pression, et vous continuez à sortir en parallèle, quelle que soit la réponse de la nana. Et ce faisant, vous allez pouvoir assurer une rotation. Un dernier prérequis dont j'ai pas parlé, mais qui est tout aussi important que ce dont j'ai parlé, c'est le sexe. Pour être capable de garder un plan cul, l'atout numéro 1, ça va être votre capacité à la faire jouir. N'espérez pas garder une nana en tant que plan cul si vous avez très peu d'expérience sexuelle et que vous êtes incapable de la faire jouir. Parce que une notion de plan cul, ça sous-entend que vous assurez au sexe, puisque la raison principale et même la seule relation, la seule vraie raison pour laquelle vous voyez, c'est le sexe. Et du coup, vous avez le devoir de la faire jouir. Parce que si vous ne savez pas la faire jouir, vous ne pourrez pas la garder, tout simplement. Donc ce que je conseille aux débutants qui n'ont pas d'expérience au niveau du sexe, c'est de, je vais en choquer certains, mais c'est de regarder des vidéos porno, regarder comment ils font du sexe, documentez-vous sur internet, il y a énormément de tutoriels sur comment apprendre à doigter une nana, comment lécher une nana, comment faire ci, comment faire ça.
En général, vous avez des illustrations et vous avez aussi des illustrations plus concrètes, donc sur des films porno, vous pouvez trouver sur n'importe quel site internet. Ça, c'est ce que je recommande aux gens et c'est une technique qui fonctionne très bien. Et ensuite, ce que vous apprenez à travers ces vidéos, vous les ressortez dans votre baise. Et ce faisant, vous allez accélérer votre montée en puissance au niveau du cul. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne regardez pas de films porno et si vous n'écoutez pas des tutoriels au niveau des sexes, et bien en fait, vous allez progresser extrêmement lentement et vous allez perdre des mois et des années de progression alors qu'en fait, vous pouvez raccourcir ce temps. Donc faites l'effort de vous documenter sur la partie sexe parce que c'est ça qui sera déterminant dans le fait d'être capable de garder une nana pour des raisons de cul. Enfin, dernière question à laquelle je voudrais répondre et qui m'a été posée par un coaché, par un élève qui avait déjà un niveau avancé, c'est combien il est possible de garder de plan cul en même temps. J'ai posé une fois la question à ma meilleure amie fille, et j'ai posé la question aussi à d'autres collègues masculins. Et ce qui ressort, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est-à-dire qu'on peut garder au maximum 3 plans cul en même temps, puisqu'après ça devient trop pesant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire grosso modo sur les plans cul, si je peux récapituler la technique. Donc déjà, focalisez-vous en priorité sur la création d'opportunités, sortez de chez vous, créez-vous des opportunités. Deuxièmement, ne sortez pas bien en tête en disant « Tiens, je vais rencontrer ma future copine, tiens, j'ai rencontré 3 plans cul, tiens, j'ai rencontré une nana, ça va être ma best sex friend forever, etc. » Ne sortez pas avec ce genre d'objectif en tête et sortez simplement pour vous créer des opportunités. Ensuite, faites vos devoirs de mec, vous couchez avec. Avant ça, vous ne dites pas vos intentions, tout simplement parce que vous n'en savez rien, vous n'avez pas assez passé de temps avec et vous avez besoin de coucher avec elle pour connaître vos intentions, et ce qui est tout simplement vrai. Une fois que vous avez couché avec elle, là, vous êtes sincère, vous dites honnêtement ce que vous en pensez. Si vous voulez vous poser avec, vous le lui dites. Si vous n'avez pas envie, vous lui dites aussi. Si vous voulez garder en plan cul, vous lui dites aussi. Soyez sincère. À partir de là, il y a une petite partie des nanas qui vont pas l'accepter, qui vont se barrer. Et il y en a une autre partie qui vont l'accepter et qui vont rester avec vous. Et c'est sur cette partie-là des nanas que vous devez vous focaliser. Et ensuite, tout simplement, vous répétez ce processus à l'infini. Et à partir de là, vous serez capable de gérer, en général, 1, 2, 3 plans cul en parallèle. Et à partir de là, et ben, vous pourrez tout simplement vous amuser à faire ce qu'on appelle la tournante des nanas. C'est-à-dire que lundi, vous voyez Alice. Le mardi, vous voyez Julie. Le mercredi, vous voyez Brenda ou qui vous voulez, peu importe. Le jeudi, vous faites le jour de repos et ainsi de suite. Et à partir de là, vous avez créé ce qu'on appelle la pick-up artist lifestyle. Donc c'est la vie où vous faites la tournante, tout simplement. Et si vous appliquez ces conseils, si vous focalisez en priorité sur le passage à l'action, et notamment le fait de continuer à rencontrer d'autres nanas et de pas faire all-in, de pas tout miser sur un seul plan cul et de pas dépenser toute son énergie dedans, et ben vous avez créé cette abondance de femmes dans votre vie. Et à partir de là, tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire tourner et de profiter, tout simplement. Donc appliquez ces conseils, sortez de chez vous, créez-vous des opportunités. Et je vous garantis que vous serez capable de cumuler plusieurs plans cul en même temps. Et voilà, c'est le moment où on se quitte. On se retrouve au prochain épisode de l'émission Expérience de séducteur pour un autre sujet de réflexion sur la drague. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur Dragueur de Paris et retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner et nous laisser votre avis. D'ici là, je vous dis à très bientôt.